Est-ce que je jouerais pas Malzahar en vrai? Pourquoi les gens ne jouent plus Malzahar? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié d'activer. Oh là là, j'ai pas le skin. Eh, je suis trop deg. Oh, ça touche! Ok. Hop. Non, mais non, mais non, non, j'étais là. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Il est où le jungler? Ah bah. Aïe aïe aïe. Oh là là, mais t'es... quel beau gosse. Go. On va partir là-dessus. Oh là là, c'est traîné. Ah oui, parce que normalement c'est une écharpe. Alors niveau 3 sous ou pas? Elise, de toute façon, si elle arrive, en fait ça me fait rien, j'ai le bouclier. Donc faudrait qu'elle me smite avant ou qu'elle flash smite et eux. T'as compris? Non? Ah, ça m'enlève le bouclier. Ah bah voilà. Ah, c'est compliqué là du coup. Ah ouais, bah l'auto-attaque qui nique tout, hein. Allez, fuis ma gueule. Bon, j'ai ignite au cas où que mon jungler faisait quelque chose, mais en fait, il s'était fait déchirer la gueule. Je n'aurais pas dû ignite, hein. On est d'accord. Attaquez! Pas mal. Ça va. Oh, ça va vite. Oh, ça push vite. Ça push très vite. Bon, ça push toujours aussi vite, hein. Après, j'ai un avantage, franchement, Annie, c'est pas trop un problème pour lui, hein. Bon, faut que... Là, je commence à comprendre que Annie va pas être agressive du tout. S'il n'y a pas le jungler. Donc, on peut jouer... Ok, j'ai mon niveau 6. Je back vite fait. Ouf. Bien joué, les gars. Oh, le back est insane! Oh, si je la tue, c'est... C'est dommage. C'est dommage, hein. Il est pas mort. Nice, bien joué, mec. Ah, pas de chance. Eh, c'est un free kill, monsieur. Ouais, je voulais pas trop qu'il se retourne par contre, hein. C'était moyen. Oh là, ça farme tout seul. Ça farme pour moi. Je ne fais rien. Coucou. Bon, par contre, la tour elle prend cher, c'est bien. En fait, Malzahar, c'est pour ça que je trouve ça un peu trop fort, parce que c'est un champion. Oh là là, je suis en 1-2. Je l'ai atomisé, quoi. Oh là là, ce qu'elle a mangé, la Elise. Parce que, en fait, il y a les minions qui se mettent devant, du coup, en plus, c'est ça, c'est encore pire que tout, en fait. Oh là là là, c'est trop bien. En fait, ouais, voilà ce que je disais, en fait. C'est un champion un petit peu chiant. Tu sais, c'est un peu à la Karthus, tu vois, c'est un champion qui, quoi que tu fasses, ça va être fort, en fait. Et Malzahar, tu peux in tes grands morts, tu peux être en 0-8-0. Pff, tu vas push, et ça va faire la diff. Peut-être qu'ils veulent récupérer leur red buff là, je sais pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je m'en doutais. Hop. Moi, je suis à 1-3, je farm. On me campe. Bon, ils sont un peu plus fit, donc c'est sûr que je pourrais mieux jouer quand même. Échec! Par contre, j'ai rien eu. Vas-y, Bard, prends tous les kills. Moi, je sers à rien. Limite, je veux pas en prendre de kills. En fait, je me souviens, je jouais comme ça, Malzahar, en fait. J'étais en mode gros hunter et je tapais juste les tours. Parce que regarde les tours, en fait. Je suis en train de les péter, en fait. Hein. Oh là là, ça tombe comme des petites mouches. Et ça touche pas. Il y a un moment, faut sauter, Rengar. Let's go. Je suis un appât.
Je suis un appât dans la game. Mais là, par contre, la tour, bah, elle est gratuite. Et regarde ma tour. Et je me suis fait camp, hein. Je me suis fait camp. J'ai détruit leur tour. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas trop Malzahar et j'aime pas trop qu'il soit dans la méta. Je suis très content qu'il soit plus dans la méta. Parce que c'est un champion qui a des invocations, un anti-CC. C'est vraiment chiant, genre. Ouais, c'est ça, Malzahar, en fait, c'est vraiment le type de champion qui push comme Ziggs, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop... C'est pour ça que j'aimais pas trop le jouer. Est-ce qu'on est un petit peu déçu d'avoir acheté Malzahar? Un peu, peut-être. On a été l'appât dans cette game et je pense que ça a fait la différence. Comment carry sans carry? Faut me respecter! Mec, mets un mur, mets un mur. Ok, super. Moi, je me prends tout dans la gueule, mais c'est ça qu'il faut faire aussi. C'est-à-dire que là, je suis en 6, mais il faut que tu meurs. Et il faut que tu fasses craquer des trucs. Parce que si tu meurs sans que les mecs ils fassent rien, genre la Annie a mis juste un WQ dans ta gueule, là tu sers à rien. Mais le fait que la Annie est ultime, le Lucien qui a ult plus heal, bah c'est bien. Si tu es pas fed, évidemment. Parce que là je te parle en mode si tu pues la merde. Il y a une erreur aussi qu'on fait parfois, quand on est trop en retard dans la partie, on prend trop de résistance. Mais en fait les ennemis vont juste complètement t'ignorer si tu prends des résistances et que t'as pas de dégâts. Donc des fois quand t'es en 0-6, par exemple avec Lux, t'es en 0-6-0. Oh là, mais il y a de l'action ici! Je veux de l'assist! Yes. Ah, mais ils étaient tous là, en fait. Allez, boum! Là, on a mis de très très bons dégâts. Oh, le silence. Ça va me tuer, les araignées. Putain, je suis trop deg. Mec, une patate! C'est ça, le problème de Malzahar, les gars. C'est que... tu vas être efficace quoi qu'il arrive. Et tu vas forcer les QSS. Parce que même si quelqu'un est super fed en face, il est obligé de prendre une QSS pour toi. Parce que si tu te places bien, et bah si tu le R, soit l'équipe adverse doit te focus et ça fait chier de tomber un mec, soit bah il est instantanément mort. Bah il est instantanément mort. Et voilà, je suis en 7, t'es en 9-1 et je te one shot. J'ai 0 skill. C'est full merde. Oh my god. Ok, le champion est toujours pété quoi. Je suis explosé. Oh mon dieu. Mais pourquoi les gens ne jouent plus Malzahar en fait? Elle doit avoir le seum, Annie. T'imagines, tu te fais camp et tu te fais quand même one shot par l'autre là. Un peu trop osé. Bon, j'ai mon Rylai, c'est cool. Allez, je vais faire les dragons. Moi, je vais tout faire. Hop. Non, le skin est bien. Le skin est bien. Ils sont en train de faire le baron. Ça ne fonctionne pas. Tu sais qu'Annie est là. Hein. Bah, c'était pas ouf du coup. Hein. Tu sais, les joueurs de Singe, des trucs comme ça. Il y a des joueurs qui aiment bien int tout en gagnant. Du coup, si vous aimez int en gagnant, jouez Malzahar. Je vous ai montré une bonne petite strat. Pusher, 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 pusher. Un peu comme Emerdinger, tu vois. Sauf que Emerdinger, tu peux pas te faire gank. Du coup, c'est ça qui est pas mal. Moi, je push, hein. Je push, je push, je push. Hop, hop. Ils sont en train de push top bot, on s'en fout. Voilà, c'est gratuit. Pas besoin de savoir jouer avec ce champion, c'est parfait. Wow! Let's go! Bien joué! Oh, ça touche! Je m'en occupe! Je m'en occupe! Je me suis fait one shot! Ouais, faut faire attention avec Malzahar de pas se faire pré-shot avec un stun. En plus, un skip. Bah, c'est un skill shot de tes morts. Oh là là, let's go, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. C'est du catch. C'est tout ce qu'on voulait. On est en 3-11. 10 KDA extrêmement positif. Le baron qui est entamé. Oh là. C'est win. C'est bon, c'est win. C'est win. On check les buissons, on peut pas se faire cheesy. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Wow, vous allez vous calmer. Hein. Y'a plus d'ADC. Y'a plus d'ADC. Y'a plus de support. Y'a plus rien. Mais ce mec est un dieu. Mais c'est... mais bien sûr, Quadrakill, je le mérite. Et le GG, well played. J'ai honte.
je crois vraiment avoir honte d'avoir joué ce personnage-là. Je suis désolé. Je suis désolé. J'en avais déjà fait une vidéo. Si vous êtes archi nul au jeu, si vous avez, si, en fait, si vous savez pas farmer, si vous savez pas jouer, si vous savez juste push, si vous êtes le mec qui jouait Hunter aggro à Hearthstone, qui joue démoniste ou chasseur dans World of Warcraft, Malzahar est fait pour vous, les amis. Et bah GG, moi je dis GG Bard. Bravo tout le monde, Quadra Kill. Mérite. Ah mais j'étais en BO. Ah bah trop bien. Mérité. Mérite. J'en peux plus de ce jeu. Le skin est cool. Ça vaut pas les 10 gemmes, je suis un peu deg. Mais en tout cas, je me serais tapé des bonnes barres. À très bientôt, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On est probablement en stream. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Ciao, bye.